On a une belle petite journée culturelle. Sans rester. Un peu Volgograd. Musée de la guerre, c'est-à-dire où est-ce qu'ils ont gardé souvenir de la bataille de la Deuxième Guerre mondiale quand les Russes ont réussi à stopper Hitler. S'il n'était pas arrêté ici, probablement que le sort de l'humanité aurait été très différent parce que Hitler, en gagnant la bataille ici, obtenait le pétrole. Il se réapprovisionnait pour pouvoir continuer puis avoir presque tout le monde entier. Donc ça a été stratégique. Fait qu'ils en ont gardé un bon souvenir. Fait qu'on a un bâtiment là, qui donne une image de ce que c'était d'être bombardé. On est sur le bord de la rivière Volga, d'où le nom de la ville, Volgograd. C'est ici que s'est passé l'important de la bataille, parce que c'était le contrôle du fleuve pour le transport. Au niveau militaire, c'était stratégique. On est vraiment sur l'endroit où les batailles ont eu lieu. Et puis, ça a été stratégique. C'est un beau fleuve. Ça ressemble un peu au fleuve Saint-Laurent dans la région de Québec. Et puis... Jean-Steph, je pense que tu aurais aimé être ici. Musée de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, bataille de... Leningrad, et on va faire une reproduction murale 360, je pense que ça va capoter. Avec un bassin autour qui représente trois choses, que l'eau donne la vie, l'eau représente aussi la rivière de Volga, et la troisième chose que ça représente, c'est les larmes des femmes et des mères et ceux-là qui sont morts pour la ville. Le sol ici, où il y a eu la bataille qui a duré plus de 200 jours, il y a tellement eu de sol là qu'on voit que pendant 7 ans après la guerre, le sol, il n'y a rien qui a poussé. C'est rempli de rebuts de la guerre de toutes sortes. Ça leur a pris des années, puis même encore aujourd'hui, ces creuserets trouveront encore plein de choses. Tellement il y en a eu, tellement ça a été une grosse bataille.
les pochons dans le corps. Ils vont se dire que les meilleurs, c'est les gens qui vont se dire que les gens vont se dire que les gens vont se dire que ça. C'est ça.